des murailles et redonne vie aux ruelles de la ville. Amen. On nous parle des jeunes ici, nous sommes dans Isaïe. J'ai déjà parlé de ce que Dieu n'aime pas dans les jeunes, on a vu ça la fois passée. Il y a des attitudes que Dieu n'aimerait pas retrouver dans celui qui jeûne, qui s'approche de lui. On ne peut pas en même temps jeûner, s'approcher de Dieu et vivre le contraire de ce que Dieu nous demande. Celui qui s'approche de Dieu doit fonctionner comme un vrai chrétien, comme un enfant de Dieu. Il ne peut pas jeûner en même temps, il a la haine, la colère, la méchanceté, des langages menaçants, tout ça. Dieu ne fait pas ce genre d'attitude lorsque nous jeûnons. Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui avec simplicité, avec humilité. Et lorsque nous approchons de Dieu, nous devons manifester le même amour que nous avons pour lui envers nos prochains. À quoi servirait un homme de jeûner s'il n'aime pas son prochain? À quoi nous servirait de beaucoup jeûner si nous n'aimons pas nos frères et sœurs? Si nous avons de la haine, même des fois, envers nos propres frères, même père, même mère. La haine, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. La méchanceté, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Et ces choses empêchent la main de Dieu de se manifester dans nos vies. Jeûner, ce n'est pas seulement par formalité pour que les gens nous voient. Jeûner, ce n'est pas seulement dans la formalité pour que nous puissions épater les gens, que nous prions beaucoup. Mais jeûner, c'est aussi un moment de rencontrer Dieu. Un moment de la rencontre de l'homme avec son Créateur. On peut aussi jeûner pour se repentir d'un péché. Jeûner pour retourner vers le Seigneur. Jeûner pour entendre la voix de Dieu. Jeûner pour avoir une direction de la part du Seigneur. On peut jeûner pour obtenir la guérison. On peut jeûner pour aussi chasser les démons. Il faut jeûner. Un chrétien qui ne jeûne pas, c'est un chrétien qui se limite. Un chrétien qui ne jeûne pas, c'est un chrétien qui ne grandit pas. Vous ne pouvez pas être chrétien des années et des années. Vous n'avez pas développé la vie de jeûne. Il faut jeûner, frères et sœurs. Certains combats, certaines réalités de nos vies existent seulement la prière et le jeûne. Dans la vie de certaines personnes, si elles ajoutaient seulement le jeûne, plusieurs problèmes finiront, cesseront. Et là où il y a le jeûne, il y a la solution. Le jeûne, ça attire la main de Dieu. Ça attire la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans le contexte des jeûnes. Alléluia. Lorsque les gens jeûnent, prient, invoquent le Seigneur, cherchent la face du Seigneur, le Seigneur se manifeste, frères et sœurs. Il se manifeste. L'esprit devient souple. L'homme devient sensible à entendre Dieu. Les hommes et les femmes que Dieu a utilisés dans la Bible, c'était des gens qui priaient. Certains problèmes de la famille exigent que vous puissiez prier. Tel a échoué dans ce domaine. Tel autre a échoué. Mon frère a échoué. Ma sœur a échoué. Mon père, ma mère. J'ai constaté qu'il y a tel problème dans ma famille. Je ne peux plus vivre comme tout le monde. Je dois changer ma façon de vivre. Lorsque je prends conscience de mes réalités spirituelles, je ne peux pas vivre comme tout le monde a vécu. Je dois changer ma façon de vivre. Les jeunes protègent. Les jeunes aident. Il faut jeûner. Amen. Mais quand on jeûne, il y a une attitude que nous devons avoir. Pas seulement pendant le temps de jeûne, même après la vie de jeûne. Notre vie doit être une vie consacrée totalement à Dieu. Nous jeûnons tous les jours par notre attitude. Nous devons jeûner tous les jours par notre façon de vivre, notre façon de parler aux autres. Psaume 35, verset 13. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme. Par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Vous voyez comment ces hommes de la Bible priaient. J'humiliais mon âme par le jeûne. Joël 2, 12. Maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Il faut jeûner. Le jeûne nous rapproche de Dieu. Ça brise le moi orgueilleux. Ça finit le moi orgueilleux en nous. Ça nous permet d'avoir accès au monde de Dieu. Ça nous permet de nous connecter facilement à Dieu. On ne peut pas jeûner comme tout le monde, comme les païens qui font des rituels. Est-ce que vous savez que même les gens qui sont au culte font des jeûnes?
Même les marabouts, les féticheurs, tous ces gens-là, les sorciers, ils sont aussi jeunes. Vous ne pouvez pas être puissant dans le domaine spirituel sans la vie des jeunes. Si vous ne parlez pas beaucoup à Dieu, vous n'aurez pas de Dieu en vous. Vous devez parler beaucoup à Dieu pour avoir la vie de Dieu en vous. Lorsque Moïse parlait à Dieu et qu'il descendait de la montagne, les gens disaient qu'il ressemblait à Dieu. Ou bien les gens voyaient en lui la gloire. Les hommes avaient peur de regarder Moïse en face parce qu'il rayonnait tellement de la gloire de Dieu. Il y a des hommes et des femmes que Dieu va utiliser ici, dès que nous sommes là. Des gens qui vont comprendre ce que je suis en train de dire. Parce à quoi servirait de beaucoup prêcher et de prier pour les gens si les gens ne comprennent pas? Il n'y a pas de secret pour les pasteurs. Le seul secret, c'est les sacrifices, c'est les jeunes, c'est la prière. Il n'y a pas d'autre secret, frères et sœurs. Le troisième secret, à part la prière et les jeunes, c'est la consécration. C'est l'intégrité, être consacré à Dieu, être un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu. C'est ça qui va faire en sorte que Dieu vous utilise. Si vous craignez Dieu, si vous développez la discipline de la prière, si vous développez la discipline de la consécration, la discipline des jeunes, je vous assure, ces trois éléments vont vous aider à bâtir des vies chrétiennes solides. Et vous verrez comment Dieu va se servir de vous. Développez la discipline de la crainte de Dieu. Développez la discipline de la consécration. Craignez Dieu à tout prix. Craignez Dieu à tout prix. Peu importe la séduction, craignez Dieu. Amen. Craignez Dieu à tout prix. Vous verrez la main de Dieu vous accompagner facilement. Il y aura des moments où Dieu va commencer à vous utiliser. Des fois, vous-même, vous n'allez pas croire que c'est vous. Lorsque Dieu commence à nous utiliser, des fois, on est étonné de voir ce que Dieu peut faire. Dieu peut commencer à vous parler. Dieu peut commencer à guérir des malades par vos mains. Parce que vous priez, parce que vous jeûnez, parce que vous êtes consacré, parce que vous marchez dans la crainte de Dieu. Ces éléments vont vous rapprocher de Dieu. Ce qui fera qu'un homme devienne un homme surnaturel, c'est ces éléments. La crainte de Dieu, la consécration, la vie des prières, la vie des jeunes. Vous êtes comme des gens, comme des moines qui vivent en dehors de la ville. Et ces gens de vie nous rapprochent du surnaturel, frères et sœurs. Alléluia. Il y a des hommes dans la Bible qui ont manifesté des attitudes de jeûne. Il y a des hommes qui ont jeûné et prié et ils ont vu la main de Dieu. Mais la Bible nous dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui seront le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Matthieu 6, verset 16. Ce n'est pas ça notre objectif lorsque nous jeûnons. Nous ne jeûnons pas pour épater les gens. Amen. Ce n'est pas parce que tu... Non, je jeûne maintenant. Je veux que tout le monde soit informé que je jeûne. Non, non, non. On ne cherche pas l'approbation des hommes. On cherche l'approbation de Dieu. Alléluia. Il faut jeûner. Dis à ton voisin, il faut jeûner. Il faut jeûner. Tu ne peux pas être chrétien sans les jeûnes. Non, 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 non. Il faut jeûner. J'encourage tout le monde à développer la vie de jeûne. On doit apprendre à jeûner, frères et sœurs. Il faut apprendre à jeûner. Le jeûne neutralise les œuvres, les désirs de la chair. Vous savez, celui qui jeûne et qui prie beaucoup aura moins d'attraction vers les œuvres de la chair. Il trouvera tellement lourd la chose de Dieu en lui pour la perdre par une petite séduction. Vous savez, si quelqu'un arrive à trahir Dieu facilement, c'est qu'il n'avait pas aimé Dieu. C'est de l'infidélité envers Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu, marcher avec Dieu, il fait des choses pour toi, mais à une petite séduction, tu tombes facilement. Comment voulez-vous? Vous avez commencé avec Dieu par l'Esprit. Vous avez commencé, Dieu a fait des choses avec vous. Tout ce que Dieu a fait dans votre vie, dans votre parcours, vous ne pouvez pas les négliger. Amen. L'apôtre Paul va dire, comment pouvez-vous finir dans la chair alors que vous avez commencé par l'Esprit? Comment pouvez-vous vous retrouver dans les œuvres de la chair alors que vous avez bien commencé? Comment voulez-vous? Vous avez, Dieu vous a béni, Dieu vous a visité, Dieu a fait des choses dans votre vie. Mais il arrive dans une période de la vie, votre vie ne marche pas. Vous n'arrivez pas peut-être à percer dans un domaine. Vous n'arrivez peut-être pas à vous marier. Vous n'arrivez peut-être pas à avancer dans tel autre aspect de votre vie. Maintenant, ces éléments vous donnent le droit ou l'encouragement pour abandonner.
Comme Dieu ne fait pas ça dans ma vie, je suis découragé. Je ne peux plus continuer à prier. Je n'irai pas aller, je n'irai plus à l'église. Je préfère rester à la maison. Mais vous ne changez rien. Au contraire, vous vous enfoncez davantage. Je ne vais plus prier. J'ai trop donné à Dieu. J'ai donné des offrandes, des dîmes, des autels. Je me suis consacré. Mais Dieu n'a pas fait. Mais Dieu n'est pas obligé d'agir selon votre temps. Vous pouvez faire toutes ces choses. Et Dieu peut aussi se dire, je vais les tester. Dieu peut aussi se dire, je vais les tester. Alors, au lieu qu'il t'accorde ce que tu as demandé, il ne l'accorde pas. Il t'observe. Il bloque tout pour t'observer. Il y a des hommes et des femmes qui sont restés fidèles à Dieu malgré les promesses que Dieu avait faites sur leur vie. Ils n'ont pas vu les promesses accomplies, ils sont restés fidèles à Dieu. Il y a des gens qui ne restent pas fidèles à Dieu. Un mois, fidèles à Dieu une année, fidèles à Dieu. Vous êtes chrétien depuis que vous avez commencé à prier. Vous n'arrivez pas à résister aux filles. Ce n'est pas seulement jeûner. Jeûner, c'est aussi c'est débarrasser de ces liens, de ces chaînes qui nous retiennent, ces péchés qui nous enveloppent si facilement. La Bible dit dans Hébreux, comme nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout péché qui nous enveloppe si facilement. Comme nous sommes environnés, Hébreux 12, premier verset, comme nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout péché qui nous enveloppe si facilement. Il y a de ces péchés qu'il ne faut pas laisser. Parce que le péché, c'est un poids spirituel qui vient détruire la chose de Dieu en vous. Le péché vient vous retarder, vous retourner en arrière. Vous n'avez pas besoin de vivre dans le péché. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Frères et sœurs, Abraham n'est plus de ce monde. Moïse n'est plus de ce monde. Paul n'est plus de ce monde. Josué n'est plus là. Pierre n'est pas là. Même Jésus lui-même vivant, il n'est pas là. Il est là en esprit. Il compte sur nous. Et si nous ne faisons pas ce que Jésus faisait, nous ne produirons pas les résultats de Jésus. Si nous ne menons pas la vie que Paul menait, nous ne produirons pas les résultats de Paul. Si nous ne menons pas la vie que Moïse menait, nous ne donnerons pas les résultats que ces hommes ont vécu. Rassurez-vous, ça sera des histoires, ça sera des contes de fées. On va en parler, mais ça ne sera pas la réalité. Et plusieurs vont rater leur vie parce que l'Église est morte, l'Église est malade. Et si vous lisez les constats de Jésus-Christ dans Apocalypse, lorsqu'il il parle aux églises, il s'attaque des fois aux églises qui mettent l'accent sur le matériel, qui se croient être arrivés. Et Jésus dit, c'est que j'ai contre vous. Donc, c'est-à-dire, Dieu nous observe, il a toujours quelque chose contre nous, malgré ce que nous faisons. Malgré ce que nous sommes, Dieu a toujours des reproches à nous faire. Parce que nous devons nous améliorer, privilégier la relation avec Dieu. Alléluia. Nous devons privilégier la relation avec Christ. Nous devons privilégier notre relation avec Dieu. Il faut privilégier cette relation au-dessus de toute autre relation. Restez chrétien à tout prix. N'arrêtez pas de prier. N'arrêtez pas de chercher Dieu. N'arrêtez pas de chercher la face de Dieu. Les jeunes nous permet de vivre la délivrance et la guérison. Jésus dit dans Matthieu 17, 21, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le Seigneur recommanda aux disciples de jeûner afin qu'ils soient en mesure de chasser les démons et d'apporter la guérison. Qui peut jeûner dans ce genre de contexte? Est-ce que c'est mal le pasteur ou la personne aussi nécessitée, la personne qui est dans les besoins? Est-ce que le malade ou bien la personne tourmentée par les esprits peut jeûner? Oui et non. Dans les deux cas, il faut savoir ceci. Celui qui fait le ministère, qui prie pour la personne, le malade ou bien la personne possédée, est appelé lui à jeûner, à mener une vie de prière correcte et avoir la foi. Deux, la personne qui vient recevoir doit elle aussi avoir la foi. Parce que la foi, c'est la main qui tend vers le miracle et la guérison
pour ramener dans la vie. Donc il faut la foi du donateur et la foi du receveur. Il faut que la personne qui donne ait la foi. Il faut que la personne qui reçoit ait aussi la foi. Vous êtes avec moi? Si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas recevoir. Les pasteurs, les ministères, les ministres qui prient pour vous peuvent libérer la grâce, mais si vous êtes bloqué, vous n'allez pas recevoir. Il faut avoir la foi pour recevoir par les liens de la foi ce que l'autre vous transmet. Amen. Mais aussi pour les gens qui ont fait le ministère et qui ont travaillé beaucoup avec Dieu, ils savent. Si vous-même vous avez besoin d'une guérison, et même si vous ne jeûnez pas à sec ou quoi que ce soit, mais si vous priez aussi, si vous-même vous vous apprêtez à vivre ce que Dieu doit faire dans votre vie, vous facilitez l'œuvre de Dieu dans votre vie. Il y a quelque chose que vous faciliterez lorsque vous allez jeûner, prier, afin de recevoir la guérison. La femme à la perte de sang n'avait pas jeûné, oui, parce qu'elle était en quarantaine, elle était dans une situation. La foi seule peut produire les miracles. Mais elle se disait, c'était ça sa prière, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Donc c'est l'attitude que vous devez avoir, l'attitude de cœur, l'attitude dans vos pensées, l'attitude de recevoir. Il faut avoir un vif désir, il faut avoir un désir fort et profond de recevoir de Dieu la guérison, les miracles. Lorsqu'on s'approche de celui qui nous donne la guérison ou l'instrument que Dieu s'est choisi, il faut avoir la foi. Amen. Et je dirais que les chrétiens doivent jeûner. Même s'ils sont dans le besoin, ils ne doivent pas seulement s'attendre à ce que la personne qui imposera la main impose la main. Eux aussi doivent jeûner. Certaines victoires ne viendront que lorsque vous allez jeûner. Vous devez apprendre à jeûner. Les pasteurs ne sont pas des magiciens. Qu'on ne vous trompe pas. Ils ne sont pas des magiciens. Des fois, le pasteur va prier, mais toi-même, tu ne pries pas. Imaginez-vous, le pasteur prie. C'est comme il dépose. On dépose. Si vous mettez les carburants dans un réservoir troué, est-ce que ça va rester? Mais il y a des gens qui doivent arranger d'abord leur réservoir. Vous allez mettre les carburants dans un réservoir troué, mais ça va couler. Il y a des vies qui doivent être arrangées. En fait, si vous priez, vous jeûnez, vous apprêtez votre esprit à recevoir quelque chose. C'est plus avantageux pour vous. Si vous ne pouvez pas jeûner, ça se comprendrait. Il n'y a pas de problème. Là, la personne qui ne peut pas jeûner doit obligatoirement recevoir de celui qui donne. Mais si la personne peut aussi jeûner, je ne vois pas de problème. Ma mère était atteinte de cancer, très avancé. Cancer qui l'a rongé et elle était destinée à la mort. On la voyait maigre, massier. Lorsqu'elle marchait, elle marchait à peine. Elle ne pouvait pas préparer. Elle s'était rendue difficile pour elle de faire des activités à la famille avec les enfants. Et notre famille était devenue triste parce que maman était malade. Cancer très avancé. Et je voyais comment est-ce qu'elle souffrait. Et je ne peux pas oublier, mes soeurs étaient jeunes. Et des fois, je préparais. Je préparais pour toute la famille. Je préparais tout. Je vais tout faire. Je prépare tout. Et si le week-end, si le domestique n'est pas là, tu prépares, tu dois tout faire. Parce que maman est malade. Mais quand Dieu va dire qu'il faut jeûner, moi je te donne un témoignage. Dieu a dit qu'il faut jeûner. Et on va jeûner. Elle va jeûner. Et je crois que c'est la sœur aimée qui va recevoir le message que Dieu l'a guérie. Après 3 jours déjà. Mais elle n'était pas guérie. Visiblement, elle n'était pas guérie parce qu'elle était toujours malade. Mais lorsqu'ils sont retournés à Brazzaville pour aller se faire vérifier l'état de sa santé, continuer les traitements. Le médecin a trouvé qu'elle était totalement guérie. Il n'y avait plus de signes de cancer. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, frères et sœurs. Et vous ne pouvez pas croire comment Dieu peut faire des choses. Dieu peut demander à un malade de jeûner. Ça, c'est Dieu. Je ne dis pas que c'est une loi, mais Dieu peut le faire. Amen. Hein?
Et moi, je dis, dans ce cas-là, ma mère était guérie. Guérie, rétablie. Un jour, je me rappelle, les gens sont venus chez nous, surtout en Afrique. Plusieurs personnes sont arrivées. On voit beaucoup de gens arriver chez nous. On se disait, c'est quoi? Alors, ces gens sont arrivés parce qu'ils avaient appris que notre mère, maman, était morte. Et nous ne savions pas. Qui a répandu la nouvelle? C'est une personne proche de la famille qui savait que la maman était malade, mais pour juste comme elle était comme méchante, jalouse, tout ça, la personne a répandu la nouvelle que notre mère était morte. Et nous, on a vu seulement les gens débarquer à la maison. Les gens frappaient à la porte. C'est qui? Oh non, on passait seulement, on voulait voir. Ça va bien? Oui, ça va. Où sont vos parents? Oh, ils ne sont pas là. Ils sont à Brazzaville. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Vous êtes sûr? Vous avez des nouvelles? Non, tout va bien. Et nous, on n'avait pas compris. C'est qu'après qu'on va apprendre qu'ils étaient venus dans la pensée qu'il y avait des chez nous. Mais or, nous, avant ça, on avait jeûné, prié. Même notre mère malade, elle avait jeûné, prié. Avec les cancers, je vous dis. Avec les cancers, elle avait des douleurs. Mais elle a jeûné. Et Dieu l'a guérie jusqu'à aujourd'hui. J'avais quel âge? Ça fait longtemps. Je pense que c'était 93, je ne sais pas, 94 par là. Comment Dieu peut faire des choses comme ça? Parce qu'il est souverain. Frères et sœurs, vous devez apprendre à prier. Mon mari est malade. Qu'est-ce que je dois faire? Tu n'arrives même pas à prier. Il n'a pour ton mari, mais tu veux parler. Tu peux. Ton mari est malade, mais prie. Toi aussi, prie. Si tu aimes ton mari, prie. Comment tu peux pas prier une heure du temps pour ton mari? Tu veux toujours faire les 8 heures du temps de sommeil. Tu peux pas prier une heure du temps, 2 heures du temps pour ton mari. Si tu aimes ton mari, prie 3 heures du temps. Montre à ton mari que tu l'aimes. Mais oui. Ta femme est malade. Tu cherches toutes sortes de solutions, mais tu n'es pas prêt à prier. Nous n'avons pas les prédispositions des hommes qui aiment la prière. Et la chair est tellement faible qu'elle ne veut pas de la prière. Alors que la femme est malade. Prends le temps de jeûner. Prends le temps de prier. On n'a pas le temps de jeûner. On veut manger tous les jours. On veut manger normalement parce qu'on pense qu'on va mourir. Vous savez que le jeûne peut effacer une maladie rapidement. Le jeûne peut détruire une maladie. Le jeûne libère la puissance. Frères et sœurs, vous devez apprendre à jeûner. Je tiens à vous encourager au jeûne. Jeûnez, s'il vous plaît. Amen. Hein? Suivez-moi ici. Jeûnez. Apprenez à jeûner. Il est capital de développer la vie de jeûne pour combattre les esprits qui nous bloquent, qui nous empêchent de voir la solution dans un domaine donné de nos vies. Il est capital, très important, de développer la vie de jeûne. Lorsque vous jeûnez, frères et sœurs, même si les sorciers se réunissent en grand nombre, ils ne vont rien vous faire. Dieu libère une puissance terrible. Face à certaines réalités, il faudrait développer la vie de jeûne pour vaincre certains combats spirituels de nos familles. Il faut jeûner, prendre le temps de chercher la face de Dieu. Même faire des jeûnes partiels où vous pouvez manger, où vous pouvez boire, mais jeûner, privez-vous de certaines choses. Pour certains cas, jeûner avec des jeûnes absolus où vous allez vous abstenir du manger, du boire, pour chercher la face de Dieu. Je n'ai pas dit de faire 4 jours, 5 jours, vous risquez de mourir. Mais jeûnez quand même. Organisez-vous. Amen. Le jeûne est l'une des disciplines spirituelles que tout chrétien devrait développer. Il faut avoir la vie des jeunes. Vous ne pouvez pas faire une année sans jeûner. Un chrétien vraiment qui a fait une année, un an. Il y a même des chrétiens, peut-être que nous sommes là, ils savent qu'ils ont déjà fait 5 ans. Il y a même des gens qui ont fait 10 ans, ils n'ont jamais jeûné. À chaque fois qu'il y a les programmes de jeûne, ils ne jeûnent pas. Les jeunes peuvent anticiper certains combats. Par les jeunes, vous pouvez anticiper certaines réalités dans l'avenir. Vous pouvez empêcher le diable de toucher votre destinée. Il faut jeûner, frères et sœurs. Est-ce que vous savez que la prière n'est pas limitée dans les temps? En priant aujourd'hui, vous pouvez protéger votre vie dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et même pour vos enfants. Vous pouvez précéder des événements futurs par votre vie de prière. Il faut jeûner, prier. Il faut jeûner et prier, j'insiste. Alléluia. Jésus, avant de parler de Jésus, je veux parler dans Luc 2, 37 à 38. Développer la vie du temple. Luc 2, 37 à 38.
Mais bon, on commence à verset 36, si vous voulez. Il y avait aussi une prophétesse. Lisez avec moi. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari. Depuis sa... Non, lisez. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Continuons. Elle est restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans... Oh Seigneur. Dans les jeûnes et dans la... Waouh. 38. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Est-ce qu'on peut parler de ça? Il y a des gens qui étaient prophétiques, comme cette femme, la prophétesse, très prophétique. On n'a pas parlé de ses prophéties, mais elle était sensible, elle avait le discernement, la notion du temps prophétique. Elle a pu comprendre que Dieu allait introduire son fils dans le monde. Elle s'est privée de se remarier. Premier sacrifice, hein? Je vous ai parlé des sacrifices dans les jeunes. Elle s'est privée de se remarier. Elle est allée habiter au temple pour chercher la face de Dieu. Une folle, une femme malade pour les hommes, mais une femme appréciée auprès de Dieu. Elle s'est consacrée dans l'œuvre de Dieu. Elle s'est mise à prier, à jeûner, à chercher la face de Dieu, à les servir nuit et jour. On n'a pas parlé qu'elle pleurait, elle priait pour que Dieu lui donne un mari. Non, je n'ai pas dit qu'elle refusait de vous marier. Je n'ai pas dit ça. Mais je sais quand même, parce que si je disais cette femme, ça va me créer des problèmes. Mais je suis en train de dire que cette femme, vous savez que ça créera des problèmes, n'est-ce pas? Cette femme, elle a préféré rester dans les temples. Après le décès de son mari, elle se consacre à Dieu. Est-ce qu'on peut se consacrer comme ça pour Dieu? Comment voulez-vous que Dieu... Comment est-ce que Dieu ne peut pas utiliser une telle personne? Donc Jésus, avant de venir, il n'y avait pas seulement Siméon. Il y avait aussi cette femme qui priait, qui jeûnait pour que le Seigneur arrive. Et quand le Fils arrive, elle a commencé à louer Dieu. Béni soit le Seigneur parce qu'il m'a permis de le voir. Béni soit le Seigneur parce qu'il m'a permis de le toucher. J'avais seulement entendu parler. J'ai lu les prophéties. J'ai reçu des révélations. Mais maintenant je le vois, l'objet de mes prières. Il y a des hommes et des femmes qui prient, qui jeûnent, qui cherchent la face de Dieu, qui se lancent dans la profondeur de la prière. Frères et sœurs, rien ne peut me séparer de Dieu, même s'il n'y a pas église, même s'il y a église, même si tout le monde m'a abandonné, je ne changerai pas mes convictions par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Jamais, frères et sœurs. Personne ne peut me séparer de Dieu, même pas ma femme. Personne. Je suis plus qu'amoureux de Dieu et que celui qui essaierait de toucher seulement les choses de Dieu pour moi, ma femme sait que je vais vraiment m'énerver. Non, je suis sérieux. J'aime tellement Dieu que vous me voyez là, je vis parce que c'est Dieu qui m'a donné la vie. Si vous n'avez jamais été malade, si vous n'avez jamais connu de problèmes de santé, vous ne me comprendrez pas, je vous comprends, c'est normal. Mais si vous avez déjà goûté à la mort, vous allez comprendre ce que moi j'ai compris. Si je vis, c'est parce que Christ m'a donné la grâce. Les combats et les problèmes que j'ai connus m'ont fait rater plusieurs choses. Alors si je peux parler aujourd'hui, je suis debout, c'est parce qu'il y a un Dieu qui existe. Alors je ne peux que le servir toute ma vie. Toute ma vie. Et nous devons vivre la consécration comme Anne. Elle était tous les jours au temple. Elle cherchait Dieu tous les jours. Elle allait dans la profondeur de la prière. Elle jeûnait, elle priait, elle jeûnait, elle priait, elle jeûnait, elle priait jusqu'à ce que Marie va concevoir, elle va mettre au monde, elle va amener l'enfant au temple. Siméon va prier pour l'enfant. Anne la prophétesse va voir le petit Jésus. Elle va dire, oh Shakarabaya, alléluia Jésus. Elle commence à témoigner de cet enfant. Elle dit, cet enfant, oh Seigneur, j'ai lu dans les Écritures, Isaïe a parlé de cet enfant. La Vierge sera enceinte. Oh, alléluia. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues.
qui ne sont pas montés dans les cœurs des sages de ce monde, mais qui montent seulement dans les cœurs des hommes et des femmes qui ont la révélation, des hommes et des femmes qui jeûnent, qui cherchent Dieu matin, midi, soir, des gens qui se consacrent, qui veulent voir Dieu dans leur vie, dans leur quotidien, dans leurs enfants, des hommes, des jeûnes et des prières. L'Église a besoin des hommes et des femmes qui prient. Il faut prier. Celui qui prie parlera moins des choses. Il y a des hommes tels que nous sommes là, frères et sœurs. Il y a des gens que Dieu peut utiliser puissamment, mais qui ne veulent pas que Dieu les utilise. Tel que vous êtes là, il y a des gens puissants ici dans cette salle. Il y a des rois de Dieu, des servants de Dieu, des prophétesses. Vous vous bloquez pour rien. Vous bloquez pourquoi? Parce que vous, frères et sœurs, il y a des gens qui pensent que être serviteur, c'est seulement il faut qu'on vous donne la chair. Non, avant qu'on te donne la chair, prouve d'abord ce que tu as. Commence à faire des preuves. Oh, commencez à faire des preuves. Moi, j'évangélisais. C'est le bruit de mon ministère qui a bousculé l'église. Moi, j'évangélisais. Je n'ai jamais demandé la chair. Je n'ai jamais prêché dans mon église de dimanche. Mais mon évangélisation allait à l'extérieur. Oh non, laissez. Ça fait tellement de bruit qu'il y a eu des échos. Et le pasteur a vu que l'église grandissait parce qu'il y avait un jeune homme qui amenait beaucoup de gens à l'église. J'ai amené plus de 100 personnes dans l'église. J'ai dit plus de 100 personnes dans les 200. Donc, quand je pars là, j'évangélise, je gagne, je vous amène. Quand je pars, frère, j'ai passé des fois des jours, des heures et des heures dans la prière. Quand je prie toute la nuit, quand si je te croise, tu vas regretter. Dès que je croisais quelqu'un, c'était des pleurs, c'était la repentance. J'avais hâte que la personne puisse se convertir. Est-ce que tu es prête? Oui. Seigneur Jésus, je te reçois. Comme mon Seigneur, comme mon serviteur. À partir d'aujourd'hui, Satan, je te refuse. Moi, je suis devenue chrétienne. Au nom de Jésus, au nom. Seigneur, maintenant, je bénis cette personne, je bénis la sœur, je déclare. Et suis les larmes. Tu es chrétien, je viens te prendre. Les dimanches, on part à l'église. Frères et sœurs, il faut aimer tellement Dieu. Plus vous allez prier, vous serez investi de la puissance de Dieu. Les hommes autour de vous ne vont pas vous comprendre. Les gens vont beaucoup parler. Vous n'allez pas descendre dans les ragots. L'onction va tellement couler en vous. Vous serez tellement dans le bain de l'onction. Je ne suis pas dans le bain des choses charnelles. Je suis dans le bain de l'onction. J'aime nager dans la présence de Dieu. Moi, j'aimerais que Dieu puisse me se servir de moi au-delà de ce que je vis. J'ai encore plus soif de Dieu qu'hier. Mais il y a des gens qui n'ont même pas soif de Dieu. Tout ça, Seigneur, donne-moi les mariages. Seigneur, donne-moi le travail. Donne-moi que j'achète la maison. Je voulais acheter une Lamborghini. Je voulais acheter telle voiture. Leur projet, c'est le matériel. J'aimerais porter telle robe. J'aimerais porter les Louboutins. Je sais pas, Donc, le cas Louboutins. Louboutins, c'est ça. Donc, oui. Il y a des gens qui ont des projets de Louboutin. Mais il y en a d'autres qui ont des projets comme... Moi, je n'ai pas les projets de Weston. Pourquoi je vais aller acheter Weston? Je n'ai pas besoin. Ça, c'est bon, déjà. C'est bon, ça passe. Oui, Weston. C'est combien? C'est 1000... C'est beaucoup d'argent, pour rien. Et la soif de Dieu. Et la soif de Dieu. On veut voir des sœurs et frères qui prient, qui cherchent la face de Dieu. Pasteur, j'étais dans ma chambre en train de prier. Pendant que je priais, le Seigneur m'a parlé. J'ai entendu la voix qui me disait, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à telle période, annonce à ton pasteur que Dieu va faire ça. On a besoin de frères et sœurs qui viendront nous dire ce que Dieu leur a dit dans le secret. Pas ce qu'ils ont inventé, mais ce que Dieu leur a dit. Il faut prier! Si vous n'avez pas de vie de prière, ce sera anormal. Ce serait normal que vous ne veniez pas me voir avec des révélations. Parce que les hommes et les femmes qui prient, Dieu les utilise. Un problème peut arriver, vouloir atterrir à l'église, mais Dieu peut vous parler. Dieu peut vous parler dans l'église. Pasteur, je vis ça aujourd'hui. Lui-même, le pasteur, oh, ça c'est vrai. J'ai vu ça, Dieu m'a. Que Dieu libère l'onction de prophétesse Anne dans cette église. Qu'il y ait des gens qui vont vivre longtemps comme les Siméon pour attendre Jésus dans les jeunes. Des Anne dans l'église. J'ai dit que c'est possible. Alléluia.
Il faut quitter la dimension d'un niveau bas pour entrer dans les niveaux supérieurs. Moi, je dis toujours que si moi, tu me vois, le résultat, c'est parce qu'il y a une maman, c'est parce qu'il y a une mère qui a su nous protéger dans les prières. Ah, chez nous, c'était comme ça. Nous, notre famille, c'est la famille des malades, des gens qui ont des problèmes de santé, des malades, des problèmes spirituels. Mais comme la maman a prié beaucoup, elle a arrêté aussi les plans de tous les petits sorciers qui opéraient dans la famille. De deux côtés. Ça fait que nous sommes en vie parce que Dieu a opéré. S'il n'y avait pas de prière dans ma famille, je vous assure, je ne serais pas là. Vous voyez? Je me rappelle des fois, le matin, il y a prière. Maman commence à prier. Papa, 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 papa. Oh, 2 heures, 3 heures. Et elle prie toujours. Et ça nous a affectés. Ça a affecté la famille. C'est comme ça qu'il faut. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas vivre avec votre foyer. Votre mariage est toujours comme ça. Oh. Est-ce que vous avez déjà bâti ne serait-ce qu'un hôtel? C'est quoi l'hôtel? Avez-vous déjà jeûné? C'est quoi les jeûnes? Donnez-vous les dîmes? C'est quoi les dîmes? Donnez-vous les offrandes? Non, non, moi je ne donne pas. Moi je veux seulement que Dieu me bénisse. Hein, que Dieu te bénisse. Tu ne fais rien pour Dieu. Toi, c'est seulement recevoir. Donne-moi. Donne-moi, donne-moi. C'est comme ça que vous pensez que vous allez arriver. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a toutes les disciplines spirituelles que vous devez développer. Vous devez apprendre à jeûner, à prier, à donner à Dieu ce qui lui revient, à faire votre part si vous voulez voir Dieu. Vous ne verrez pas Dieu seulement en demandant. Vous avez trop demandé, ça change quoi? Il y a trop de demandeurs dans l'église. Des gens qui demandent, Seigneur, donne-moi, mais Dieu, lui, il ne fait que demander. Il n'a jamais donné ne serait-ce que 20 dollars. 20 dollars, il n'arrive même pas à donner le fond de 20 dollars. La dîme, il n'a jamais donné la dîme. Mais il veut seulement que je le bénisse. Si on lui dit de jeûner, il dit qu'on exagère. Il a tout le temps faim. Si vous êtes habitué à grignoter, vous aurez du mal à jeûner. Oh non, moi, je n'ai pas. Moi, j'ai toujours mangé quelque chose. Si vous êtes habitué à grignoter, vous aurez du mal à jeûner. Débarrassez-vous de ces choses. Certaines situations de votre couple, ça prend seulement la prière et le jeûne. Certains problèmes, même des fois la turbulence des enfants, ça prend la prière et le jeûne. Même des fois le comportement de certains enfants, ça prend que vous puissiez prier et jeûner pour vos enfants. Parents, jeûnez pour les enfants. Des fois, vous aurez des enfants qui deviendront des rebelles demain parce que vous n'avez jamais prié pour eux. Vous n'avez jamais jeûné pour eux. Vous n'avez jamais bâti un hôtel pour eux. Vous n'avez jamais fait quelque chose de spirituel qui peut parler pour les enfants. Tout ce que vous faites, c'est vous plaindre. C'est vous plaindre et c'est blâmer les enfants. Mais il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à jeûner. Il faut chercher Dieu pour vos enfants, pour vos filles, pour vos fils. Il faut prier. Anne a prié pour Jésus. Siméon a prié pour Jésus. Il y a des hommes qui ont prié pour Jésus. La Bible dit, je cherche un homme. Dieu n'en a pas dit plusieurs. Il dit, je cherche un homme qui se tiendra devant ma face pour plaider la cause. Dieu dit, un homme. Un homme avec Dieu, c'est des exploits. Dieu dit, un homme. Une seule personne qui peut intercéder prophétiquement pour une famille. Votre famille a besoin de la prière. Pourquoi vous ne priez pas? Votre famille a besoin de quelqu'un. Pourquoi vous ne jeûnez pas? Votre famille a besoin de quelqu'un qui peut parler à Dieu. Pourquoi vous ne priez pas? Pourquoi dans votre famille, personne ne mange, ne se sacrifie? Tout le monde veut manger. On aime la viande, on ne peut pas se débarrasser de la viande. On aime le poulet, on ne peut pas se vivre sans le poulet. On aime le poisson, on ne peut pas jeûner. Le pasteur Roland disait dans une de ses prédications qu'il ne peut pas vivre sans le jeûne. Il dit chaque semaine, il jeûne chaque semaine, au moins une fois. Une fois par semaine, il jeûne. Il dit, je jeûne au moins une fois par semaine. Il dit, je ne peux plus vivre sans le jeûne. Il dit, chaque semaine, je jeûne une fois. Même si Dieu vous élève, vous ne devez pas changer les habitudes ou les choses qui vous ont amené là. Si Dieu vous bénit, n'abandonnez pas ce qui vous a propulsé. Maintenez la même vie, même doublez pour rester là-bas. Alléluia, sinon vous allez faire la chute. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tu dois apprendre à jeûner. Lorsque vous commencez à jeûner,
L'ennemi viendra vous attaquer pour vous affaiblir. Le diable ne veut pas des hommes et des femmes qui jeûnent. Ma sœur, mon frère, vous êtes dans le processus du mariage. Vous êtes dans un projet d'affaires. Jeûnez, priez. Jeûnez, priez. Je me rappelle d'une histoire d'un homme qui venait épouser. Mais vous savez, en Afrique, il y a tellement des histoires bizarres. Des fois, lorsqu'on en parle, les gens pensent qu'on exagère. Mais l'Afrique est comme ça. Le gars, il arrive devant la parcelle de la fille. Là-bas, on attend les garçons. Il est dehors, je vous ai donné l'exemple. Mais regardez ce qui arrive. Comment on peut te bouffer les jours de ta fête? Il arrive là, on l'attend à l'extérieur. On commence à demander, comme en Afrique, donner un peu l'argent avant d'entrer dans la parcelle. Le temps qu'on demande de donner l'argent, là, le garçon est mort. Il est mort, je crois qu'il était dans la voiture. Hein. Il est mort dans la voiture. Il est mort. Bien habillé. Donc une loi l'interdisait de se marier, d'être heureux. Donc on l'attend là-bas. La fille bien apprêtée, ne sachant pas que son mari, futur mari, vient de décéder dans la voiture à l'extérieur. Waouh, frères et sœurs. Les hommes sages voient le mal de loin. L'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Voir le mal de loin, c'est chercher la face de Dieu avant. Ne laissez pas le diable vous surprendre. Jeûnez et priez. Jeûnez et priez pour vos familles. Jeûnez et priez pour votre mari. Jeûnez et priez pour votre femme. Jeûnez et priez pour la stabilité dans votre couple. Jeûnez et priez pour la percée. Il y a certaines personnes qui ont du mal à percer dans la vie. Et pour qu'elles percent, il faut qu'elles développent la vie de jeûne. J'ai vu mon père rater plusieurs opportunités de la percée financière. Je ne dirais pas qu'il jeûnait pas, mais je dirais qu'il y avait trop de combats sur lui. Et des fois, il n'avait pas réalisé ça. Trop de combats, à tel point que vous êtes à la porte de l'argent. Tout est correct, mais dès que c'est seulement à la porte, tout se referme. Tout est bloqué là. J'ai vu plusieurs échecs accompagner ces démarches, ces activités. Vous ne pouvez pas savoir comment le diable peut bloquer votre vie, vous empêcher de vivre ce que vous étiez censé vivre jusqu'à l'âge avancé. Et vous êtes fatigué, vous avez tout raté. Et moi j'ai compris, des fois en parlant avec lui, j'ai compris les choses que je ne devais plus laisser. Et si je vous en parle, frères et sœurs, ce n'est pas parce que je vais exagérer. Priez pour vos vies. Priez. Si vous tournez en rond beaucoup, vous avez compris que vous tournez en rond. Si vous tâtonnez beaucoup dans la vie, si vous dans un domaine vous êtes trop faible, vous constatez que ça ne marche pas. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de prier. La prière, c'est pas quelque chose que vous devez renvoyer très loin. Prenez le temps de prier. Jeune fille, commencez à prier avant 18 ans. Commencez à prier avant 18 ans. N'attendez pas 18 ans. Commencez à prier avant 30 ans. N'attendez pas 30 ans. J'ai 30 ans. Ah bon? Alors ça ne marche pas. Je viens de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, toi, tous ces temps, tu ne comprenais pas que ça n'allait pas. Tu ne comprenais pas. Tu ne voyais pas que ça n'allait pas. Donc ça, c'est à 30 ans maintenant, tu vas commencer à combattre ces géants-là. Qui t'a combattu depuis que tu étais bébé? Tu vas faire combien? 10 ans maintenant? Jusqu'à 4-0. Comprenez les choses à temps, s'il vous plaît. Alléluia. Il y a certaines victoires que vous devez avoir tôt pour entrer dans votre vie à temps. Si vous ratez certaines saisons, certains moments de votre vie où vous devez prier avec intensité pour briser, n'est-ce pas, une barrière, pour frayer un chemin, vous risquez de retarder aussi votre bénédiction. Je suis sérieux. Vous risquez de retarder la bénédiction et de repousser loin votre visitation. Il faut se hâter d'entrer dans la présence de Dieu avec jeûne et prière. Il faut se hâter d'entrer dans la présence de Dieu avec jeûne et prière. Priez! Quelqu'un disait à ma mère, mais il faut aussi avec beaucoup de prières comme ça. Toi aussi avec les enfants qui sont tout le temps malades, malades, malades. Mais moi, vraiment, mes enfants ne tombent pas malades. Vous savez, des fois, les gens qui ont beaucoup de combats, ce sont des gens bénis, hein.
Je répète, les gens qui ont beaucoup de combats là, sont des gens qui sont bénis. Avec beaucoup de combats, de maladies. C'est parce qu'il y a quelque chose de Dieu en vous. C'est pour ça que vous avez tout ça. Il y a quelque chose de Dieu en vous. Mais vous, vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose de Dieu en vous. Il y a quelque chose de Dieu en vous. Développez la vie de prière et on va dire que vous avez touché au mystique. Développez la vie de prière. Jeûnez, priez et vous ne tomberez pas dans la tentation. Jeûnez, priez. Vous aurez la facilité d'entendre Dieu. Vous serez prophétique, même si vous n'êtes pas prophétesse. Vous allez entendre la voix de Dieu. Vous aurez tout le temps des révélations. Vous aurez tout le temps des choses qui vont se passer dans votre vie. Vous ne serez pas quelqu'un de saisissable. Vous serez dans les surnaturels de Dieu. Vous serez une femme que le mari va toujours dire, ma femme, elle est bizarre. Vous serez un homme bizarre parce que vous avez la chose de Dieu. Quand tu jeûnes, tu pries. Il y a des choses qui vont monter dans ton cœur. Il y a des choses qui vont travailler dans ta vie. On saura que cet homme, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est une servante de Dieu. Même si elle n'est pas pasteur, elle a quelque chose. Les pasteurs peuvent s'appuyer sur des hommes comme ça dans l'église. Frère, viens, sœur, viens. J'ai besoin de vous dans la prière. On va prier pour tel domaine. L'église a besoin des hommes comme ça. L'église a besoin des femmes comme ça, comme des ânes. L'église a besoin des Siméons tout dans les temples. Des gens qui peuvent aider l'église à croître. Lorsqu'on voit l'église, hey, ça c'est une grande église. Combien? 5000 membres. Non, non. 5000 membres là, c'est parce qu'il y a un secret. Il y a un Siméon. Il y a une âne. Ce sont des gens qui sont dans l'église en train de jeûner et de prier. Des gens qui jeûnent. Lorsque le pasteur, on parle du pasteur, c'est parce qu'il y a âne et Siméon. C'est parce qu'il y a des hommes qui ont l'intercession prophétique par rapport à l'église. C'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui prient, qui jeûnent, qui cherchent la force de Dieu afin que Dieu se manifeste. Si nous prions tous pour l'église, nous verrons Dieu opérer dans cette église, dans les surnaturels. Impossible. Les gens viendront ici, ils seront étonnés. Les gens viendront ici, ils trouveront la solution. D'ailleurs, je vous dis directement que l'Esprit de Dieu me parle. Dès que tu as mis tes pieds à la promesse, ta vie a déjà changé. Je suis en train de dire, dès que vous avez mis vos pieds ici, votre vie a déjà changé. Il y a une loi de votre famille qui vient de tomber parce que vous avez fréquenté l'église à promesse. Il y a une décision, un malheur qui devait vous arriver, qui ne vous arrivera plus parce que vous êtes dans cette église. Je le déclare parce que c'est la vérité. Je le déclare parce que le Dieu qui est le Dieu de la promesse, c'est un Dieu qui délivre, qui guérit, qui libère, qui restaure. Vivez l'onction de la promesse dans votre vie. La guérison sera votre part. Le miracle votre part. La délivrance votre part. Entrez dans votre destinée. Le Dieu que nous servons dit, je cherche un homme qui peut seulement prier. Je cherche une femme qui peut seulement prier. Le problème de votre famille, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle. Le problème de votre famille, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire, assez, c'est assez. Je suis fatigué d'être malade. Je suis fatigué de ça. Je dois jeûner. Je dois prier. Ça doit bouger. Et pas carrément, il y a Satan. Ça doit changer. Les gens ne peuvent pas tout le temps mourir dans ma famille. Je dois prier. La vacation maïkatarabasite. Je dois prier. Les gens ne peuvent pas continuer à vivre comme ça. Je dois prier. Les dons de l'esprit vont s'ouvrir. Le miracle va vous accompagner. Vous allez protéger vos enfants par les prières. Vous protégerez votre enfant par la prière. Vous protégerez vos destinées par la prière. Vous protégerez votre mariage par la prière. La prière libère les vies. La prière change. J'aime la prière. Il faut prier. Ça n'a pas marché hier, ne décourage pas. Ne te décourage pas. Ce que le médecin t'a dit, c'est un diagnostic médical. Ce n'est pas le diagnostic de l'esprit. Oh, Rakapayasa. Ce que le médecin a dit, c'est un diagnostic de médecin. Maintenant, nous attendons le diagnostic du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a dit que la guérison t'atteindra. Le Saint-Esprit t'a dit, par ses meurtres, si tu es, le Saint-Esprit t'a dit, ils viendront par un seul chemin, fuiront par un.
Le Saint-Esprit te dit que 1000 tombent à côté, 10 000 à ta droite, tu seras jamais atteint. Mais de tes yeux, tu verras la rétribution des gens qui combattent ta vie. Il faut jeûner, 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 jeûner. Jeûner, prier. Les jeûnes, ça fait tomber les yeux. Les jeûnes, ça libère l'onction. Les jeûnes, ça libère les dons. Les jeûnes, ça libère les mariages. Ça libère la fécondité. Ça libère les destinées. Ça peut changer votre mari. Votre mari va beaucoup vous aimer parce que vous l'avez travaillé dans la prière. Les jeûnes, les jeûnes, il faut jeûner, prier. Et la barabasite, Bélia. Les jeunes libèrent les vies. Tel que je vous vois, frères et sœurs, vous êtes bénis. Je dis que vous êtes bénis. Je vais m'arrêter là. Vous êtes tellement bénis que vous devez être fiers de votre Jésus-Christ. Ne vous découragez pas. Quels que soient les problèmes, priez, jeûnez, cherchez la face de Dieu. Ce que les gens disent par rapport à votre mariage, taisez-vous, cherchez Dieu. Il vous donnera le mari. Il vous donnera la femme. Il vous donnera les enfants. Il vous donnera la solution. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner celui qui le cherche de tout son cœur. Je n'ai jamais vu Dieu oublier celui qui l'a cherché. Ce n'est pas un Dieu ignorant. La Bible dit, celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? C'est un Dieu qui exauce. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent tous à toi. C'est un Dieu qui exauce la prière. Dieu répond à la prière. Prenez des décisions de prier. Prenez les décisions de chercher Dieu. Matin, midi, soir. Venez à l'église lorsqu'il y a la prière. Venez vous sacrifier devant Dieu. Priez pour la vie de votre famille. Nous nous levons dans la prière. Oh, ramassi de Bérebessa. Frères et sœurs, prenez conscience de votre réalité ou de vos réalités. Votre vie a besoin de Dieu. Je vous demande une seule chose, frères et sœurs, de prendre le temps de la prière maintenant. Nous allons prendre quelques 10 minutes de prière. On va prier, quels que soient les avis des gens. Les diagnostics des médecins, c'est Jésus qui s'occupera de votre vie. Ne laissez pas le diable vous faire croire que vous avez échoué. Même si vous avez fait des erreurs hier, ce n'est pas grave. Jésus vous aime. Il veut que vous puissiez vous repentir. Jésus n'abandonnera jamais vos enfants. Il n'abandonnera jamais votre femme. Il ne t'abandonnera jamais si tu te réponds. Ne te culpabilise pas. Demande pardon à Dieu et prends la décision de changer. Nous entrons tous dans la prière. Chacun de nous parle à Dieu. Nous entrons dans la prière. Rabacité. Oh, Ramayande Keposika. Oh, Riposata Paparigande. Amenez-la devant. Oh, Reshadabacité. Prends le temps de prier pour ta vie. Je vais voir des gens qui prient, pas des gens qui rêvent. Oh, Yamasa de Bekosita. Oh, la chambre de Rebosita. Prie pour ta vie. Réalise la main de Dieu dans ta vie. Korashita Ramaso. Oh, Rebosabare Katemaya Soto. Ici, Kanta Ramaso de Rebosite. Oh, la manda rebosiple que Paris a canté. Maria Bassopolo canté. Oh, la bachada barabasito robosi. Mayandere rebosika barabasa. Nous sommes en train de prier. L'opacité beriasa. Rebachada barabasite. Nous sommes dans la prière. Tu pries pour ta vie. Que le Seigneur protège ta vie. Sentez-vous à l'aise de chercher Dieu qui se manifeste pour votre vie. Qui se manifeste pour ta famille. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. La main de Dieu n'est pas courte pour agir.
La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Prie pour ta vie. Prends ta position. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Chacun prend sa position. Prie. Si vous êtes coincé derrière, venez devant ici. Si vous êtes bloqué derrière, venez devant. La passion d'abaracité. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Arabashe kerebos. Venez prier devant si vous voulez prier. Nous sommes en train de prier. L'achat des bérébocités. Nous sommes en train de prier. Oh, Roshikabarasi de Bérébes. Quels que soient les problèmes de ta vie, Jésus est la solution. Viens devant prier. Marashé de Bérébesako. Que le Seigneur te visite. Visite-nous, Seigneur. Que le Seigneur te soit favorable. Visite ton église, Jésus. Malachi Gerebosita. Nous t'appelons ce matin. Nous demandons à Jésus d'intervenir pour nos vies. Rakababa Sataya Karabashe. Nebo Sandarababa Sakarabasa. Nina Mago Setebege. Yatarabababa Sakarabase Tebeleke. Sentez-vous à l'aise de prier. Oh, Rabashe de Berere. Alléluia. Soyez dans la prière. Soyez dans la prière. Prie pour ta famille. Prie pour ton mari. Prie pour tes enfants. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Que le Seigneur se manifeste. Prie pour ta vie. Prie pour ta famille. Prie pour ta vie. Que le Seigneur t'accorde la victoire. Que le Seigneur t'accorde la solution. Au nom de Jésus. Jésus est dans ta main. Le Seigneur agit dans nos vies. Il libère nos vies. Le Seigneur est Dieu. Il opère dans ta vie. Le Seigneur est Dieu. Il opère dans ta vie. Nous sommes dans la prière. Que le Seigneur se manifeste. Que le Seigneur libère la gloire dans ta vie. Qui se manifeste pour tes enfants. Qui se manifeste pour ta famille. Prie. Ne te décourage pas. Demande à Dieu d'agir dans ta vie. Jésus, nous t'appelons. Que Rabasopéria. Fils de David. Libère ta gloire en ces lieux, Jésus. Jésus, l'aile, chaque barre saute au robot. Ma capara chépère mon satan. Jésus de Nazareth. Alléluia. Globo chabarakete. Imando robosuta.
Nous cherchons la face de Jésus. Manifeste-toi, Jésus. Reba Jésus. Alléluia. Rikabazatabara. Il est là, il est là, il est là. Sabro Rabayasi. La mandara bayo kopo sepe. Irararaba sepe rebo sa papa papa. Inda kopo rikate peria. Lego de kebesite. Shinda la basoto. Noko robo sida rabaya. Nous sommes en train de parler à Jésus. Tu parles à Jésus de ta vie. Tu parles à Jésus de ta famille. Tu parles à Jésus de ta destinée. Tu parles à Jésus de ta santé. Jésus, le riba sakabaya. Il opère dans ta vie. Il est un Dieu d'amour. Inarabaya saporabaya sita. La gloire de Dieu est là. L'esprit de Dieu est là. Oh. Alléluia, Jésus. Alléluia. Shidabarabaya sata. Libère la gloire de Dieu dans la vie de ma soeur, mon frère. Visite mon frère, ma soeur. Sentez-vous à l'aise de prier Dieu. Il est là, il opère. Qu'il libère ta vie. Nous sommes en train de prier. Shambaroko yasita. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Mayasita baya seke. Gloria mayasiperia kate. Jésus, Jésus. Jésus, il a maya kapara maya koporobosita. La broka papa paria keten. Jésus. Ora maya kate berebe santo obosi. Manda rabaso perebeka. Inderebo sita barabaso poroke. La baya kantebe rebesa. Jésus libère. Délivre les filles. Guéris les malades. Guéris les malades. Visite les filles. Change les filles. Libère l'onction. Dans la vie de mes sœurs. Dans la vie de mes frères. Recevez votre part. Recevez votre onction. Soyez bénis. Oh Yashaba Yake. Lobo Shaka Barabas. Lipara Kante Bere Rebo Sata. Inde Rebo Saperi Abasite. Nous sommes dans la prière. N'arrête pas de prier. Oh Sire Rebo Sata. Robo Sipara. Lopo Sakarabaya. Il a maillé que Perebosita. Tu prends le temps de prier pour ta vie. Tu prends le temps de prier pour ta famille. Ma robosi. Ma récapacité. Jésus de Nazareth. Et Yanda Barabasike. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Hey, hey, hey. Alléluia. Sikabarabase. Jésus, Jésus. Il a marché par la queue pour Robosita. Que Dieu libère la gloire sur vous. Que Dieu libère sa présence dans ta vie. Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
rebosa papa papa. Indaraka poria sete. Lamboko popo rike poside. Mamba robo sepere kete. Mamba rebo si para kandere yabaso. Jésus. 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 Oh Jésus. Oh Rabashe papa paneko. Rekose peria masato. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu pries, que le Seigneur libère sa gloire. Oh Rabashe de Bere de Bosa. Oh Rashida Marabashe Tere de Bosa. Écoutez. Nous croyons à la main de Dieu. Je crois que Dieu exauce chacun de nous. On peut toujours imposer les mains, mais ce n'est pas l'imposition des mains qui est importante. Vous devez apprendre à prier, frères et sœurs. Dieu vous exauce, vous êtes ses enfants. Amen. Dieu ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas te délaisser. Dieu ne peut pas laisser ta famille souffrir. Il y a un domaine de ta vie qui ne marche pas. Ne te culpabilise plus de tes péchés, de tes erreurs. Demande pardon à Dieu et continue à le suivre. Au nom de Jésus. Que personne ne te juge, Dieu t'aime. Amen. Arrange ta vie avec Jésus-Christ. Sois vrai avec le Seigneur. Je ne suis pas là aujourd'hui pour imposer les mains, mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que nous sommes venus chercher Dieu. Et moi et vous, nous tous, nous voulons que Dieu se manifeste dans nos vies, dans nos familles. Nous avons encore 4 minutes de prière. Tu vas demander à Dieu de remplir ta vie par sa présence. S'il y a une requête, un sujet qui te dérange, parle-en à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, je vais te voir dans tel domaine de ma vie, dans tel domaine de la vie de mon frère, de mon fils, de ma fille. Nous allons prier par rapport à ça et nous demandons la plénitude de l'Esprit. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Sois dans la prière. Remplis-moi de ta présence. M'arrache de bébé santo. J'ai besoin de toi, Seigneur. Léba. Je m'attends à ta présence. Prie pour ta vie. Je m'attends à ta présence. Demande à Dieu de te donner la force. La puissance de Dieu est là. De ta puissance. L'onction de Dieu est là. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure. Qu'il restaure ta foi. Qu'il restaure ton esprit. Oh Rabashi. J'ai besoin de toi, Jésus. Que le Seigneur restaure ta vie. Que le Seigneur restaure ta vie par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Nous demandons à Dieu, nous avons besoin de lui. Jésus. Oh Jésus. Oh Shadabara Cité. Lélé. Remplis-moi, Seigneur. Libère ta puissance. Remplis-moi, Seigneur. Viens toucher tes enfants, Jésus. Viens libérer ta gloire. Lélé. Dieu exauce la prière. Dieu exauce la prière. Robo Shabare le cité. Yondo Robo Siper Yakate. Oh Yakadamara Soporo Kate. Yando Lobo Sidamara Sudebe Keberio. Senderebo Seperebea. Oh Roko Sadamarina. Ipotakabase de Berebesa. Londo Robo Sigeria. Jésus. Mekoporesi. Remplis
Maloshi de Beriaza. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que le Seigneur se manifeste pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour leurs études, pour ton mariage, pour ta santé, pour ta destinée. Maloshi de Berebesa. Mando Roboshi de Berebesi. Recapacho de Bere. No Roboshi da Marasi. Mayoko Poshi de Bere. Ola Bashi de Berebesa. Jésus. Nous avons besoin de toi pour nos familles, pour nos vies. Nous avons besoin de toi. Viens agir, viens libérer la grâce, viens délivrer nos vies, viens sauver nos vies. Mando Robo Sike, alléluia. Emplis-moi, mon Dieu. Alléluia. Chararabasa, dararabasite. Alléluia. Sinebosha. Jésus. Oh, Rabasi de Berebesito. Mando Robo Sipara Santé. Alléluia, Romo Chandelebesa. Merci Seigneur pour ta grâce. Le Seigneur a restauré plusieurs personnes, même dans leur vie de prière. Il y a plusieurs dons, plusieurs grâces qui vont se manifester dans la vie de ceux-là qui sont connectés. Mais le Seigneur me montre qu'il a restauré plusieurs personnes en ces lieux. Et il va visiter plusieurs personnes en 2019, clairement. Amen. Et 2019, c'est ça, une année de la grande restauration, dit le Seigneur. Amen. Par rapport à l'église, par rapport aux frères et sœurs. Amen. Il y a plusieurs personnes qui vont voir la main de Dieu dans leur vie. Plusieurs vont expérimenter la puissance de Dieu. Et plusieurs domaines de vos vies vont s'ouvrir. Parce qu'il y a la grâce de Dieu qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Mais entre le mois de novembre et le mois de décembre, certains vont connaître un temps de sécheresse. Mais ce sera comme un temps que le Seigneur va passer certaines personnes parce qu'il leur réserve l'année 2019. Ainsi me parle le Seigneur. Amen. Il y a certaines personnes qui ne s'attendent pas à se marier, mais qui vont se marier brusquement, brutalement. Ça va venir très vite les chercher. Amen. Et reçu des Beriabaska. En même temps, il y a d'autres personnes qui sont dans la salle, qui sont vraiment découragées par rapport à leur vie, parce que ça ne marche pas. Et cela me dit de vous dire de ne pas vous décourager, mais de rester confiant en lui, parce qu'il a un bon projet pour vous. Amen. Et je vois de ce côté gauche, il y a quelqu'un qui est vraiment découragé. Mais c'est une sœur, vraiment découragée par rapport à sa vie, par rapport à ce qui ne va pas dans sa vie. Et le Seigneur me dit d'éviter de prendre de mauvaises décisions parce que tu risques de tomber dans un piège et tu vas vraiment les regretter. Alléluia. Il y a une loi qui vient de tomber dans la vie d'une sœur ici à Troyes. C'était une loi de condamnation, une loi de famille qui l'a condamnée dans une vie d'échec. Le Seigneur vient de libérer sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur vient de libérer sa vie. Oh, la Shida Rabasita. Merci Seigneur, parce que le Seigneur vient d'enlever un esprit de mort qui était dans l'église, dans la vie d'une personne là, Choderi Abassa. Merci Seigneur. Rambo Shaka Rabassa. Oh, Nabalasika. Tout le monde dit avec moi, Seigneur Jésus, manifeste dans ma vie ta puissance, ta présence, éloigne de ma vie l'esprit de mort, la maladie, la sécheresse, les blocages, au nom de Jésus. Manifeste dans ma vie ta faveur. Accompagne-moi par ta grâce, par ta grâce, au nom de Jésus.
d'esprit de mort vous quitte maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je chasse les esprits de mort loin de vos familles au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur préserve vos vies ainsi que vos familles, qu'il vous accorde la vie, la longévité, la santé, la restauration, la bénédiction, la guérison au nom de Jésus. Aucun membre de votre famille ne mourra. Personne ne perdra la vie. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu accorde à vos enfants l'intelligence. Que l'enfant rebelle, que l'enfant autiste soit guéri de l'autisme au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu se manifeste sur vos enfants. Que la grâce de Dieu se manifeste dans votre foyer. Soyez bénis. Recevez la grâce divine au nom de Jésus. Soyez bénis et soyez prospères. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons, nous sommes debout dans sa présence. Oh Rabashada Rabasite. Nous acclamons, nous sommes debout dans sa présence. Nous sommes debout, nous acclamons le Seigneur. Il est le roi des rois, il est le maître des temps des circonstances. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, Sharabasa Teberebesa. Nous sommes debout, nous déclarons cette parole. Je déclare la victoire dans ma vie. La victoire dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que l'homme fort de ma famille est vaincu par le nom de Jésus-Christ. Je refuse de vivre une vie d'échec, une vie de servitude. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prends ma victoire et j'entre dans ma victoire. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi à vivre dans les surnaturels et que j'opère dans les surnaturels. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu ne me quitte pas. Que la vie de jeûne et de prière ne s'éloigne point de moi. Au nom de Jésus, je déclare l'huile de Dieu dans ma vie. L'huile de Dieu dans ma vie. La présence de Dieu sur moi. Au nom puissant de Jésus. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Soyez bénis. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes par les jeunes. Merci pour ta main au nom de Jésus-Christ.